Et salut Twitch, salut YouTube! Après 12 millions d'années, hors ligne, hors stream, hors tout. Petite précision, on était censé démarrer le live sur Kingdom Come Deliverance. Un orage de mon accent. Et j'ai tout prévu, mise à jour, tout va bien. Et là, je suis tout content, je lance le jeu avant le live. Et là, oh, remise à jour de 21 Go. Magnifique. 44 Go de mise à jour en l'espace d'une heure, c'est magnifique. Du coup, on va jouer à Forza, on va jouer à Forza en deuxième partie. On jouera à Forza en première partie avant de aller sur Kingdom Come Deliverance à 21 h. Bref, non, je ne voulais pas faire ça. On est de retour pour nos stress. Que dois-je faire sur ce jeu? Bonne question. Que me reste-t-il à faire? Peut-on non, pas forcément, on peut pas. Si, on peut faire ça. Est-ce que je peux vérifier mes succès? Incroyable. L'application Xbox est ouverte. Oui, y a pas le choix parce que ça va ramer à mort, donc pas ma caméra. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Donc épisode, je sais plus combien, on s'en tamponne. Succès. Alors je me concentre sur quoi alors de cette session? Succès verrouillé, voyons voir. Atteignez 60 objectifs bonus. Oui. Soyez en tête sur un total de 409 km. Ok. On va faire ça, on va faire des courses. Gagner 50 millions de points de compétition. Incroyable. Cumulé. Première. Bref. Ben on va faire ça. Hein. Je te lise. On va quand même tenter de mettre. Ah, d'ailleurs, pourquoi on le voit pas? Il devrait être là. Ah, il est là. Non, il est pas là. Coucou. Ça va? Donc. Médaille 32-36. Hors de question que j'ai pas toutes les médailles. Évidemment. On a du platine. Là, c'est quoi cette merde? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Finir sixième ou mieux? Il manque une médaille. Incroyable. Jouons tout de suite. Ah oui, ça ramène à mort, je me rappelle. Je me rappelle, je me rappelle. Prenons cette magnifique McLaren P1. P1. As you want. La course suivante a lieu à Rio de Janeiro. Où le Eh, dénivelé me coupe mettra même pas. les pilotes les plus courageux à l'épreuve. Ouais, c'est ça. Du coup, on va streamer. Je vois que je le dis en VOD, vu que la VOD arrivera la semaine prochaine. Mais bref, je le dis quand même. C'est exceptionnel. On va streamer 3 soirs. Jeudi, aujourd'hui même. Vendredi et samedi, de 20 h à minuit. On finira sur Skyrim chaque soir parce que j'ai envie de jouer à Skyrim. Et c'est mon stream, je fais que je veux. Alors, est-ce que ça va ramer ou pas? Varak qui fait des blagues pas drôles. On est parti. Quels sont les objectifs? Gagner avec 100 mètres d'avance, faire un tour à plus de 48 km/h. C'est celui-là qui me manque. À coup sûr. On va baisser un peu l'audio du desktop, du bureau. La merde. Évidemment, chute de framerate. Incroyable, fluidité du stream improbable. Attention pour le ramage. Ah oui, c'est vrai. MG quoi. C'est parti. Donc je télécharge en même temps mise à jour sur Xbox One. Évidemment, c'est un bon plan hein, pour avoir un stream fluide. Télécharger en même temps que tu uploads. Pendant que le processeur encode et stream le jeu sur le même PC. Incroyable! Ça me prend à l'intérieur. Je suis perdu, comment on change de vue? Non. Wow! Philippe! Comment on change de vue? Ouais, incroyable. J'ai un embrayage, je sais plus. Oui, j'ai un embrayage. On profite pendant que le jeu est fluide. Le jeu est fluide, y a pas. Y a du micro lag, mais oh, énorme, des pneus partout. Incroyable. Allez, on est parti. Je sais pas où je pêche. Ah, dans un étang. C'est drôle, hein, c'est drôle. Au niveau de la vitesse, je veux dire. Wow. Alors, je me rappelle, il y a une VOD qui traîne où je fais cette course. La preuve que c'est bien le PC qui posait problème parce que là, c'est tellement easy. Bon, je dis ça va ramer dans 15 secondes.
Incroyable. Voilà, tour à 48 km/h, niqué, c'est dommage, j'étais bien parti. C'est clairement le virage qui pose problème, on passe l'oreille. Après on passe tout à plus de 40, largement. Largement. Sachant que l'on est à l'arrivée, non? Ouais. Ah, dommage, j'aurais pu faire mon tour à 48 km/h. Quoique, j'ai pas vérifié si la coche était déjà remplie par une croix précédemment. Ah, ce virage-là aussi. J'adore cette musique épique. On a 60, ça va. 80. On frôle le rail. Attention au petit piège là. Non, non. Là, j'ai dit non. Le mec dit attention au petit piège. Il dit non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape. Incroyable. Le niveau. Non. Et à quel moment? À quel moment le mec regarde son écran de stream, putain. Mais quel boulet. Les gars, c'est pas possible d'être aussi mauvais. Incroyable. Improbable. J'espère que notre petit tour de stream suffira à télécharger la mise à jour de Kingdom. Incroyable. J'ai tant vu capot. Ok. Bizarre. Je me souviens pas. Je pense que 48 km/h du premier tour, c'est un peu compliqué. Vu comment il me gêne. Mais sait-on jamais. Le plus tôt, ça le mieux. Bon, pas d'excuses, hein. J'ai fait de la merde. Mais hey, c'est un truc de ouf. Parti en cacahuète, mais direct, quoi. Problème de mâchoire. Ah. Ah non, c'est bon, ça va. On y croit. Pas. Incroyable, le mec galère déjà sur la première course. Et là, il n'y a pas d'excuse. Oui, ça. Non. Non. Magnifique retour de flamme, j'adore. Je devrais me calmer un peu sur l'accélération, je pense. Là, ça fait son champ intérieur du virage, mais après, il n'y a plus personne. Hein. Quand tu donnes un coup de frein en plein virage, c'est pas forcément conseillé pour la stabilité du véhicule, tu vois. Incroyable. Je tombe à 49, pas 48. C'est toujours OP, c'est bon. Comme tout à l'heure, voilà. Avance Philippe. Philippe s'il te plaît. Merci. Voilà. Tranquillement. Posément. Mec pas rassuré qui relâche l'accélérateur. Énorme, petit deux roues. Ah, du calme, du calme. À taper. Peu importe. Peu importe. Allez. On est focus. Oh oui. Oh oui, c'est passé. C'est passé, j'ai tapé mais c'est passé. Incroyable. Je mets le son du jeu un peu plus fort en ce moment sur mes lives. Peut-être trop fort, je sais pas. Dans Danger Zone, c'était un peu trop fort, c'est vrai. Et voilà! C'est bon. Faut juste gagner maintenant avec 100 mètres d'avance. Tandis que j'en ai 600, ça devrait aller. Tranquille, tranquille. Voilà. On va peut-être augmenter la difficulté des mecs. Hein. C'est abusé. Hein. Ils sont mauvais, mais plus pouvoir. Quoi. Incroyable.
Non, non, non. Allez. Y'a dedans ou pas? Oh putain. Non! Toujours très borderline hein, sur mes freinages. Non mais il courbe aussi. Hein. Ça c'est un gros freinage vraiment là au bout. Là. On entend un petit craquement de boîte de vitesse. Oh, tu passes à 65 ici. On kill. Ouais, j'aurais dû vraiment augmenter la difficulté. En fait, je les trouve pas très équilibrés. Un coup, ils vont te tracer et un coup, regarde. Sur Sebring, par exemple, je galérais. Mais là, les mecs, je les trace, quoi. Un truc de ouf. On entame ce troisième tour avec sérénité. Et un peu de nubisme aussi. On est bien. On est bien. Non. Incroyable. Quand même mettre un petit message sur Discord. Pour prévenir. Pourquoi j'ai patiné du verglas? On provient du changement d'horaire de l'inversion. L'intervertissage des deux jeux de cette soirée. Là je suis en kiff. Forza j'aime bien, c'est un jeu de bagnole. Kingdom on va découvrir ensemble. L'autre Kingdom, parce que du coup il y a Kingdom Come Classic, on va appeler KCD. Kingdom Come Deliverance, pardon. On va appeler KCD. C'est une simulation un peu médiévale. Et Kingdom Classic, notre jeu de survie en 2D. Beaucoup de Kingdom dans la même soirée. Et ensuite un petit Skyrim. Ma sauvegarde, j'ai plus joué depuis 2015, hein, Skyrim exactement. Juillet 2015, me semble. J'ai lancé le jeu juste avant là. Enfin, juste lancé le menu, et j'ai vu que ma sauvegarde datait de 2015. Je sais même pas combien d'heures j'ai, mais à mon avis, pas énormément. Hop là, premier, qu'est-ce qu'il y a? Nouveau badge, pilote d'essai. Oh, incroyable, extraordinaire, la maîtrise est présente. Du coup, on voit pas les points, désolé. La gueule devant. Là, tu vois là, ou pas? 475 000. Ouais, deux médailles. Trois médailles extraordinaires. Et loin du platine, comme d'habitude. Petit message sur Discord. Suite à une seconde mise à jour de KCD, on intervertit Forza. Non, Forza passe à 21h. Voilà. On commence le stream sur Forza. Voilà, petit message qui va bien. Voilà, donc. Ok, ça intéresse quelqu'un. 9826e mondial, évidemment. Hein. C'est quoi la difficulté là? Je comprends pas le délire. Je me demande si je suis pas normal. Pas les aides, sûr. J'ai l'impression que les mecs sont normal, quoi. Bizarre. Étrange, même. Très étrange. Oui, mon Discord. Il est pas sur la bonne page. Incroyable. Bah oui, forcément, ça coupe le son. Forcément, ça coupe le son. Incroyable. Hop là, c'est bon, on est bien. Ça ou pas, hein. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça ou... Non, on va pas faire ça. On va faire... ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on met un message dans le... On est déjà à 20 minutes de live, incroyable. Ça passe tellement vite.
On va faire quelle? Donc là, c'est bon, on a 3 médailles, 3 médailles. Là, on en a pas. On en a pas. Allô, merci, on en a pas. Ah, la fameuse Ariel Atom. Quel défi me manque-t-il? Ok, j'appuie sur B, c'est ça? Incroyable, le mec appuie sur B au lieu d'appuyer sur A. La course suivante. Je comprends rien ce qui se passe, pas grave. Le plus grand tracé permanent éclairé au monde. Merde. Mettre ça ici. Copier. En chargement, je fais mon truc, je fais mes bails. Copier. Coller. En attendant là. Oh là, énorme. Voilà, voilà. Hop. Abonnement ton. Est-ce que ma vie est en ligne? Parce que en même temps, je mets des vidéos en ligne sur ma chaîne. Le gars est au four et au moulin. Incroyable. Creator Studio, on va voir. Faire ça. Les gens qui s'abonnent à la chaîne, merci beaucoup. Qu'à chaque fois je perds un abonné, chaque fois je mets une vidéo en ligne. Comme dire l'autre, c'est pas ma faute. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hop, petit lien de la chaîne. Que se passe-t-il? Bizarre, je suis même pas. Attendez. Et depuis tout à l'heure, je stream pas. Incroyable. Je stream pas, les gars. C'est marqué on stream. Je ne stream pas. J'étais voir sur ma chaîne. Y'a rien. What the fuck? Incroyable, ça ne stream pas. On arrête cette VOD tout de suite. On va pendant quelques instants. Incroyable. Extraordinaire. OBS qui ne me stream pas depuis tout à l'heure. Hop, deuxième partie de la VOD qui sera en une seule partie évidemment. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, j'aurais dire what the fuck. C'est pour ça que le jeu fonctionnait vachement bien. En gros, j'explique le délire. Bon, dans la VOD, toi, c'est pas le problème. Je lance mon stream tranquille, à l'heure, hein. Et puis, je me dis, bon, vas-y, je vais mettre un message sur Discord, tout ça, tout ça. Personne est sur le live, bon, c'est normal, hein. Très reconnu, tout ça. Et je vais voir sur ma chaîne pour piquer le lien, et je vois que je suis pas en stream. Alors que je suis en stream, hein, c'était marqué end stream sur mon OBS, hein. Là, j'ai coupé, j'ai relancé. Incroyable! Clairement, Clairement, un complot, on va dire. Bon. Du coup, maintenant, ça va ramer du cul, clairement. On va pas se leurrer, hein. Hop. Bon, là, on va faire la course, ça va ramer de ouf. On connaît les bails, c'est ingérable. Dans la VOD, tu vois la différence, du coup. Entre quand je stream, quand je stream pas. Pourtant, ça, en fait, il en connaît que dalle, quoi. Là, ça va ramer de ouf. On parie. Là, la VOD, ça va être le délire, vu que c'est la même vidéo. Bon, ça, je vais pas trop me plaindre. Un peu quand même. Ah, ouais, si. Ouais, si, quand même. Mais ça va être imperceptible dans la VOD. Je trouvais c'est bizarre que ça fonctionnait vachement bien avec la caméra, le jeu, le stream. Putain, mais tout tourne à 60 FPS, c'est ouf! Pardon. Excusez-moi. Merci. Bon, ça ramouille un peu, mais bon, c'est gérable quoi. Incroyable quoi! Extraordinaire quand même ce stream.
N'importe quoi. Ouais, je suis en stream. Mais non, mec. On peut même plus faire confiance à Bess. On essaye de mettre des bâtons en roue, c'est ça? Ah oui, si, ça rame sévère, mais bon. On s'en fout. Ah oui, c'était le fameux temps autour. Incroyable quoi. Eh, j'en reviens pas, hein. Je vais rester kilo là-dessus. Temps autour, une minute. Ah oui, c'est mort, les gars. Évidemment, c'est mort. J'arrive pas à passer mes virages. Qu'est-ce qu'il fout carrément dans l'herbe quoi? Ah merde! La tuile! Ouais. Bah c'est sur la route, c'est mort, ouais, forcément. Tout le long de la course ou. Ah si, tout le long de la course, c'est mort. Ah putain, j'y crois pas quoi. Débarre quoi. Je pensais que je streamais sur YouTube du coup, parce que je stream des fois un peu sur YouTube. Mais non, parce que la dernière fois que j'ai streamé, c'était sur Twitch. Incroyable. Débarre pas drôle, mais débarre quand même. Ah, c'est resté sur la piste au long de la course. Incroyable. Du coup, on va pas continuer, hein. Évidemment. Ah là là. Bah, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui arrivent maintenant, forcément. Forcément, j'ai envie de dire. Ça me paraît évident. Oui, je stream maintenant. Bon, salut aux arrivants. Ah, ce truc, eh, j'ai hâte de le raconter. Ça va être le potin de la soirée. Le stream invisible, quoi. Bon, objectif, rester sur la piste. Ah bah c'est beau, ah bah bravo. Commence bien. Ah bah bravo. Bel exemple. Allez, on est focus. Quel moment on n'est plus sur la piste en fait? Tiens. Bah lui il a coupé de ouf, tu vois. Oh là là là. Oh, c'était chaud. Excusez-moi, pardon. Merci. Faut vraiment que je vérifie la difficulté, hein. Ça me paraît bizarre. Excusez-moi, pardon. Une fois que j'ai fait mon chrono, je prends pas de risque, hein. Sincèrement, on... Ah, ça me tue ces histoires. Excuse-moi, pardon, merci. Oh là, oh là. Mais lui, c'est plus... Avance, mec! S'il te plaît, là! J'ai un chrono à faire, s'il te plaît. Le pire, c'est de rester sur la piste. Je pense que tu mets une roue un peu trop à l'intérieur d'un virage et c'est fini. Pas peine de freiner si tard. Pour freiner si peu. C'est une belle punchline, ça. Attention! Et en plus on fait le chrono, non on le fait pas, mais on aurait pu, largement. Bah du coup je sors même plus. Reste tranquille, je veux le dire. Puis un petit coup de volant qui va mal et. Adieu quoi. Tu vois comme ça. Hop, tranquille. Voilà, on est bien, on fait notre truc dans notre coin, on a perdu aucune image, incroyable.
Prends un risque à rester en deuxième parce que on patine de ouf. Hop. Ah, toujours pas le chrono. Attention, attention. Être prudent, c'est une chose. Être lent, c'en est une autre. Mais non. Mais non. Mais non. Exactement ce que je disais. Exactement ce que je disais. Le coup de volant est... En fait, ce qui est dangereux, c'est le chrono. Le chrono me pousse à sortir de la piste. Parce qu'il me pousse forcément à être plus performant et à prendre plus de risques. Forcément. Bon. Oui, ils sont plus là pour me gêner qu'autre chose en fait. Voilà, on a vu que c'était assez permissif. Non mais je cut pas, laissez-moi tranquille. Bon les gars quoi. Stock car quoi. Excusez-moi, pardon. Mais quoi, restez sur la piste, mais les mecs, je passe où? À quel moment je passe? À quel moment je passe? Ils avancent pas, Faut pas quoi faire là. On reste calme. Ça va le faire. Ils font tous un très bon démarrage, hein. Y'a pas à dire. Niveau freinage, c'est à revoir. On va y arriver. Ce qui est pas juste, c'est que eux, je vais y arriver. Ils s'en foutent de respecter les objectifs, eux. Regarde le mec là, il freine trop tôt, il est dans la trajectoire. Laissez-moi tranquille. Eux, ils cut. Regarde-moi ça. Numéro 6 là. Pilote en plus, il s'appelle. Tu cherches la merde, toi. Hop. Ouais, il doit être en normal, je pense. Clairement. Vu comment il se traîne. Le problème quand tu tapes un mec comme ça, c'est que tu pars en tête à queue direct. J'aurais peut-être joué avec les longs et mettre masse d'appui. Me semble l'avoir déjà fait, non? Pas sur celle-là, mais sur une autre. Je ne sais plus. Reste en 3, ça évite tout problème de patinage. Arrête-toi! Voilà, putain, mais c'est un truc de ouf! Le gars, il dit je reste en 3 pour éviter tout problème de patinage, il part en tête à queue. C'est un truc de dingue! À quel moment? Je... Ça marche, Jojo, merci de ton bonjour, j'espère que tu vas bien, bon appétit à toi et à tout à l'heure. Y'a pas de soucis, je suis là jusqu'à minuit! Jusqu'à samedi soir, enfin, jusqu'à dimanche quoi. On se comprend. Allez. Ah oui, l'aileron, putain, merde, c'est ce que je voulais faire. C'est le bordel quoi. C'est-à-dire que les gars sous la neige quoi. Ouais, parce qu'il a neigé, forcément. Il a neigé de ouf.
Ça glissait, c'était marrant. Hein. Mais les gens font n'importe quoi. N'importe quoi. Il roule à 20 à l'heure, mais il cul à cul. Je peux pas compris le projet, quoi. Enfin, rouler à 60, mais... avec une bonne distance, tu vois. Pas en ville, évidemment. Le problème de cette voiture, c'est que même si tu rentres sans accélérer, hein, juste rentrer en roue libre, le transfert fait que S-Bar est ultra légère. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Et il m'angoisse de ouf les mecs. Tellement peur de mordre trop quoi. Peut-être à que me guette. Alors. Non, trop tard. C'est à l'intérieur. Oui, je reste en troisième pour pas que ça patine. Mon cul, ouais. Ah, ce satané chrono. En fait, c'est un virage à angle droit ici. Ah, ok, j'aurais pas du tout comme ça. Je viens de regarder la carte. Ah, c'est donc ça. Là, ça va, mais il se referme. Hop. Bizarre, hein. Je les vois bien, hein, sur le, là, visuellement, les virages, je les prends. Mais une fois que je regarde la carte, je fais « Ah, ils sont comme ça, ok !» Et du coup, là, ça devient limpide. On a un moins 2 secondes 4, ce qui est plutôt pas mal pour faire le chrono. Je me traîne, hein, je me traîne de ouf. Allez, le chrono, là. Bim, c'est bon. On la joue cool. On dirait Kenji. On va faire un zouf. Voilà. On peut pas perdre. On a notre chrono. On roule, paie, perd. Voilà. Je peux me balader. Voilà, un petit filet de gaz. Attention, attention. Hop, là, petite troisième. On un poil, on passe, on accélère, on freine, on prend la corde, on accélère. Voilà. Tranquillement. Une seconde de retard. Bah oui, forcément. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Le freinage bien à l'avance. On bloque pas les roues. On tombe à 3. C'est tranquille. Voilà. On entame notre dernier tour. C'est pas le moment de flancher. Voilà, les roues bien, bien droites, on accélère. Hop, petit freinage. Voilà. Ah, oh, c'est cool. Tu peux me faire surprendre que la voiture fasse un truc de ouf. Je passe bien large des vibreurs. Hein. Pas envie de me prendre un hors-piste dans le dernier tour. Petit rupteur. Regarde, parce que j'ai des dégâts quand même. Attends, j'ai pété la boîte. Là, les gars, je les rattrape, quoi. Pas sérieux, ils sont en facile. Qu'est-ce que j'ai foutu? Un tour de plus, je rattrape le dernier. Et voilà! 3 médailles assurées. Je tapais 1-0-2 hein, d'ailleurs sur ce tour-là. C'est beaucoup, beaucoup plus lent. Finir 6ème, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, on voit les objectifs. Là. Du coup, une médaille. 2 médailles. 3 médailles. Ouais. Et toujours pas de platine, évidemment.
Mais voilà, c'est bien. 10 millième mondial, de mieux en mieux. La Nubitube est présente. Hop. Je vais faire quoi? Je sais plus. Il vérifie ça, peut-être. Normal, il n'y a plus de son. C'est tout à fait normal. Tout va bien. Hop. Ok, je vais faire. Bref, on s'en fiche. Hop. Alors là, c'est vraiment, I guess the element, c'est vraiment la merde. On a une médaille. Ah oui, je me rappelle, c'était, j'étais avec la Peugeot. Pour la peine, on va prendre une autre. On va prendre l'Audi. Peu importe de la peinture, on va dire. Oui, on s'en fout. Oui, si tu veux, sauvegarde. Je sais pas ce que je peux faire. Ah oui, ça. Filtre. Alors, s'il y avait un décalage sur la caméra ou pas. Non, il n'y en a pas, c'est bon. Parfait. Bon temps pour sauvegarder. Comment ça se passe? RE. Incroyable. Incroyable. Ce stream est tout bonnement incroyable. Crash en plein milieu de stream, impossible de faire quoi que ce soit, t'éteins le PC, tu le redémarres, oui, une mise à jour Windows, incroyable, extraordinaire, jamais vu ça, en 228 ans de carrière, énorme. Je relance une VOD, bon la VOD est pétée, je vais devoir récupérer la VOD du stream, ça va être la merde, on s'en fout. Je veux faire cette course, et les deux dernières médailles qui me manquent, je m'en balèque, je veux mon Audi. On voit bien, on entend, nickel, oui, ça stream, parfait. Un truc de ouf, hein. Un truc de dingue. Ça sauvegarde, et là, pam, rien. La course suivante incroyable. A lieu au circuit de Spa-Francorchamps, hôte du Grand Prix de Belgique. Pas être un plomb. Attends, on était bien là. Allez, presque bien. En fait, j'explique, je enregistre mes VOD en MP4. Et le MP4, si ça arrête en cours, il faut le finaliser le MP4, genre faut le boucler, tu vois. Et là, vu que j'ai arrêté le PC d'un coup, forcément, la VOD sur mon PC, évidemment, ne sera pas disponible, donc je devrais la télécharger de Twitch. Et faire un petit montage. Enfin bref, peu importe, c'est parti, on va essayer de faire cette course avec de la pluie. Ça va ramer comme jamais. Voilà, un très bon titre de chanson. Ramer comme jamais. Allez. Quoi de mieux que finir son stream sous la pluie avec un jeu qui rame à mort. Ah, 290, c'est vrai. Mais à quel moment, en fait? Les gars, poussez pas, hein. Le seul moyen de faire 290, c'est soit dans la descente, c'est hyper risqué avec les flaques d'eau, soit là, bien ressortir. Ok. J'ai rien vu. Bien ressortir de là. Et bombarder. Bombarder dans l'eau, hein. Ah, il faut surtout pas mettre les roues dans les flaques d'eau, c'est incroyable. Surtout pas, quoi. Ça me tue. Ça me tue. C'est que cette merde. Voilà, quand même. Incroyable. Eh ben, j'espère que Kingdom Come sera pas pareil. En plus, je relance la VOD juste pour une course. Hein, parce qu'on va arrêter, on va faire la pause. On va partir sur Kingdom Come Deliverance. J'espère qu'elle finit de faire une mise à jour. Incroyable. Stream fantôme, quoi. Excusez-moi. Ouais, forcément, les gars. Ah, ça vous fait pas trop chier de me pousser là? Ah, bah ça. Putain, les gars, quoi. C'est pas sérieux! Là, je roule pépère, t'as vu, on me pousse. Et puis après, les mecs, c'est pas genre, bah tiens, je m'arrête. Non, non, ils bombardent. Incroyable, quoi. Ah, putain.
On va y arriver, on va y arriver. C'est dingue hein, quand même. Hein. J'ai fait les trucs propres, mais bon. Pire que breakfast, quoi. J'espère que ça stream cette fois-ci. Hein. Putain, putain. Putain, la flotte. On va jamais y arriver. Bon, je stream ou pas? Ça stream. Ou est-ce qu'il me fait le même coup que tout à l'heure? Non, c'est bon, ça stream. Nickel. Bon dieu! Compliqué, hein? Entre le stream fanto et la mise à jour Windows en plein live. Oh Jojo. On va faire 1 milliard d'essais sur cette course. Buller. Doucement, doucement. Mais eux ils passent à fond dans l'eau et genre ça leur fait rien. C'est étrange hein. On peut pas ressortir vite d'ici, on peut pas. Les 2,90 je sais pas. J'espère que je vais pas passer dans une flaque. Ça glisse de ouf. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Faut que je passe. Merci bien. Bon mec, faut que tu choisis un endroit. Merci. Ça glisse de partout, au freinage, pas au freinage. Toutes ces petites, petites flaques qui sont bien emmerdantes. Vraiment. Ouais, je passe, merci. Et hors des œufs. On passe en 3 ici. On peut se mettre en 2. Le passage le plus dangereux, c'est quand même la première section. Oh là là, ça passe à l'extérieur, incroyable. Là, je peux tenter les 2,90. Il y a une flaque, bordel. 2,90, quoi. Je l'ai pas senti. Je l'ai pas senti, je me suis calmé direct. Waouh. J'ai pas fait grand chose à la décrocher direct. La première place, c'est rattrapable assez facilement. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est 2,90 quoi. C'est pas du tout les faire. C'est hyper stressant. Là, je peux pas ici, il y a trop de flaques. Il y a 200 quoi. Là, je peux pas. Hein. Faut que je freine avant ça. Je reste bien à gauche peut-être là. Oui, allez 2,90. Maintenant, on vise la première place.
Ils sont tous là de toute façon, donc ils sont très rattrapables. Juste rester focus. Et pas glisser. Voilà, un petit freinage dans les flaques d'eau. On passe à l'extérieur proprement. On passe encore à l'extérieur. Non, on passe pas. On passe à l'intérieur. Au forcing. Merci, excusez-moi. Ouf. Allez. Oula, ça part en couille, ça part en couille devant. C'est bon. Ça s'est frité là, les deux là. Dans la même équipe en plus, c'est deux Peugeot. Ah, ça attaque au freinage. Ok. Bon, le petit filet de gaz en deuxième là. Il fait plaisir. Il nous reste un tour. Plus d'un tour pour prendre cette première place. Hop. Voilà. À la flaque, attention, voilà. On est tranquille, pas d'accélération, pas de freinage dans les flaques. Pas de coup de volant brusque. Voilà. Doucement ici. Même s'il passe plus vite que moi, on s'en fiche. L'important c'est d'assurer le coup. Bon, il reste un tour. On va profiter de ce tour pour prendre un peu d'avance. Voilà. Dernier tour. On est tranquille. On est tranquille. C'est pas grave. Voilà, pas de coup de volant. On sort la flaque. On accélère. On passe la 3, on est bien. La petite flaque, attention. Hop. On freine un peu ici. On passe en roue libre. Hop, pas de coup de volant dans la flaque. On accélère en restant bien à gauche pour éviter les flaques à droite et c'est bon. Je suis plus lent, mais on s'en fout. Je vais retaper les 2,90 ou quoi? Le mec retape les 2,90. Les mecs sont plus virulents quand ils sont deuxième. Hein. Quand ils sont devant, ils avancent pas par contre. Impressionnant. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. La flaque. Hop. Et on bombarde. On est bien, on est très bien. On a ce qu'il faut d'avance. Pas si je me gamelle, hein. Ça sera pas assez, je pense. En plus, je suis plus rapide, quoi. Je demande le peuple. Allez, on entame la dernière section un peu piégeuse. Flaque à l'intérieur, flaque à l'extérieur. On passe les deux et on accélère. C'est bon. Là, je décélère, je prends pas de risque. Hop. Voilà, je passe tranquillement. En papille, mais bon. On s'en fout. Ça sur le coup. Pour aller vers une victoire et gagner les deux dernières médailles de ma carrière. Et voilà. Nickel. Eh ben, ce fut compliqué. Nouveau badge déverrouillé, multitâche. Oh. 400, non, je gêne. 475 000. Une médaille. Deux médailles. Trois médailles. Très loin du platine, hein. Très loin du platine. Et je débrouille une Aventador LP704. 33 millième. Qu'est-ce que je suis mauvais sur cette course, incroyable. Voilà.
Du coup, on a grappé un peu de kilomètres en tête, hein, parce qu'on a quand même un succès qui consiste à faire 400 km en tête. Et on a toutes les médailles. D'ailleurs, il n'y a pas de succès sur les médailles. Étrange. Mais peu importe. On a donc 60 médailles, dont 3 de platine ici. Et le but, ça sera bah, forcément d'avoir des médailles de platine, mais je ferai pas ça ni ce soir, ni un jour. Un peu de la rampe. 0 médaille sur 57. Pourquoi 0 médaille? Ok. Pourquoi pas. Bon, encore Forza qui a rendu l'âme. On va pas chercher à comprendre. De toute façon, c'est lors de la pause Imaginaire 04. J'aurais déjà commencé Kingdom Come Deliverance, pardon. Donc laissons Forza se crasher tranquillement. Terminons ces DOD compliqués qu'on appellera le stream fantôme. Et puis, oh, énorme, incroyable. Écran noir d'un coup. Et Forza qui crache tout seul, incroyable. Ce magnifique écran noir, comme tu peux le voir ici, qui me servira de fond pour te dire à dans pas longtemps, dans 5 minutes, le temps de revenir sur Kingdom Come Deliverance. On va découvrir ce jeu qui fait tant polémique. On verra bien ce qu'il y a dans le bide. À de suite.